que tout. Que tous les entrenants disparaissent. Oh, oh, oh. Que tous les entrenants disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les entrenants disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Acclamons Jésus très fort. Je n'entends pas tes acclamations. Plus fort que ça, plus fort que ça. Acclame Jésus plus fort que ça. Célébrez le roi des rois, poussez des cris de joie, célébrez le roi des rois. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous de la présence de Dieu. Il y a quelqu'un, la saison des échecs est passée maintenant. Saison des échecs est passée. Dis-lui, la saison des échecs est passée. La saison des échecs est passée. À partir de ce soir. Oh, tu n'es pas en train de parler comme un... À partir de ce soir. Tout à l'heure, Elishama a dit winner. Tu n'es pas en train de parler comme un winner. À partir de ce soir. À partir de ce soir. La saison de l'échec. Hein, la saison de l'échec. Est finie. Est finie. Les échecs à répétition. Les échecs à répétition sont de l'ordre du passé. Sont de l'ordre du passé. Les années de malheur. Les années de malheur sont désormais derrière toi. Sont désormais derrière. Acclame Jésus très fort pour ça. Yes. Vas-y plus fort que ça, acclame Jésus. Les échecs sentimentaux sont désormais. Les échecs professionnels sont désormais derrière toi. Amen. Les échecs financiers sont désormais derrière. Les échecs dans le ministère sont désormais derrière toi. Amen. Les échecs de tous ordres maintenant sont passés derrière toi. Dis-moi amen très fort. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Prenons nos Bibles avec le passage qui nous réunit. Romains 8, le verset. Romains 8, le verset 37. Mais en tout cela. Mais en tout cela. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous allons aller, nous prendrons Hébreux 11, déjà Hébreux 11, 34. Hébreux 11, 33, 34. Eux qui, grâce à la foi, ceux qui par la foi
conquérir des royaumes. Conquérir des royaumes. Mis en œuvre la justice. Mis en œuvre la justice. Il vit se réaliser des promesses. Il vit se réaliser des promesses. Muselèrent la gueule des lions. Fermait la gueule des lions. Éteignit la puissance du feu. Éteignit la puissance. Échappèrent au tranchant de l'épée. Échappèrent au tranchant de l'épée. Reprirent vigueur après la maladie. Reprirent vigueur après la maladie. Se montraient vaillants à la guerre. Se montraient vaillants à la guerre. Et repoussaient les armées étrangères. Et repoussaient les armées étrangères. Nous allons aller en 1 Samuel chapitre 17. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses. Se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses. Les mit dans son sac de berger. Les mit dans son sac de berger. Et la fronde à la main. Et la fronde à la main. S'avança contre le Philistin. S'avança contre le Philistin. Le Philistin précédé de son porte-bouclier se mit en marche. Le Philistin précédé de son porte-bouclier se mit en marche. S'approchant de plus en plus de David. S'approchant de plus en plus de David. Le Philistin regarda. Et quand il aperçut David, il le méprisa. Quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. C'était un gamin avec un visage innocent. Le Philistin dit à David. Le Philistin dit à David. Suis-je un chien? Suis-je un chien? Pour que tu viennes à moi armé de bâton. Pour que tu viennes à moi armé de bâton. Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin maudit David par ses dieux. Il dit à David, viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot, et moi je viens. Armé du nom du Seigneur de l'univers, allons-y. Le Dieu des lignes d'Israël. Celui que tu as défié. Aujourd'hui même. Répète avec moi, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même. Dis avec moi aujourd'hui même. Je donnerai le cadavre de l'armée philistine. Oui. Aux oiseaux du ciel. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura. Qu'il y a un Dieu pour toi et pour moi. Dis amen très fort. Alléluia. Amen. Waouh. Prenons ensemble 2 Thessaloniciens 3, pour ceux qui prennent note. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Et vous gardera du mauvais. Allons rapidement en Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, le verset 24. Daniel 6, verset 24. Dis à quelqu'un aujourd'hui même. Vous savez, je n'aime pas les choses de plus tard. Là. J'aime le concret. Dis avec moi le concret de Dieu. Oh, répète le concret de God. Est-ce qu'on est prêt pour les choses concrètes? Amen, amen. Oui. Dieu va nous faire excessivement de bien. Waouh. Alors le roi fut très joyeux. Le roi fut très joyeux. À son sujet. Et il ordonna de retirer Daniel de la fosse. Daniel fut donc retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Dis avec moi, aucune blessure. Parce qu'il avait cru en son Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, frères et sœurs, Romains 8 dit,
Nous sommes plus que vainqueurs. Et j'ai aimé un chanteur ivoirien qui a commenté le passage. Et j'ai vraiment aimé son commentaire. Quand j'ai écouté la première fois, surtout que c'était dans le rythme musical que j'aime. Alléluia. J'ai vraiment aimé. Et il a dit que David a pris 5 pierres. Et ce soir, j'aimerais enseigner sur les 5 pierres de David. Les 5 pierres des victorieux. Il a pris 5 pierres. Et il a lancé une pierre. Et quand il a lancé la pierre, ça a atteint Goliath. Et Goliath est mort. Et ma Bible me dit, qu'avant que cela ne se produise, Goliath a regardé David avec du mépris. Il lui a dit, tu viens à moi avec un bâton et des cailloux, tu penses que tu as affaire à un chien? Alors, il a maudit David. J'ai compris à travers la lecture de ce passage qu'il y a des batailles qu'on ne remporte que spirituellement. Yes. Non. Il y a des batailles que le make-up ne peut pas remporter. Yes. Il y a des batailles que les relations ne peuvent pas remporter. Il y a des batailles qu'on remporte que spirituellement. Amen. Quand nous prenons le riche passage de Daniel chapitre 6, ma Bible me dit que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et j'ai très souvent commenté ce passage pour dire que Daniel, quand vous lisez le livre de Daniel, était approuvé du roi. Le roi parle de Daniel comme quelqu'un qui a l'esprit des dieux. Il a servi sous 3 rois différents, dont Nabucodonosor et les autres. Mais quand on a tendu le piège à Daniel, le roi s'est senti impuissant. Ou du moins, quand Daniel est tombé dans le piège, le roi n'a pas pu empêcher les conséquences du piège. La preuve que le roi approuvait Daniel, qu'il aimait Daniel, c'était le fait que cette nuit-là, le roi est dormi seul, sans aucune de ses femmes. Il est dormi à jeun. Mieux, il soit resté éveillé. Vous savez, dans un royaume, et j'aime bien parler à mes frères ivoiriens quand ils disent « Tu sais qui je suis ?» ou « Tu sais qui je connais ?» ou bien « Je connais X, je connais Y. » Dans un royaume, la plus haute relation qu'on puisse avoir, c'est le roi. C'est-à-dire que quand tu dis « Tu connais des gens dans un royaume », le plus craint que tu puisses connaître dans un royaume, c'est le roi. Mais vous convenez avec moi que si le roi est resté éveillé à cause de Daniel, ça veut dire que le roi connaissait Daniel. Il avait comme personnage dans son carnet d'adresse, Daniel avait comme personnage dans son carnet d'adresse le roi lui-même. Si à cause de Daniel, le roi a dormi, ou du moins il est resté éveillé, il a dormi à jeun, pour ne pas dire qu'il n'a pas mangé, il n'a touché aucune femme, mieux, le matin très tôt, il s'est rendu à la fosse au lion, où Daniel avait été déposé. Alors, avec une voix tremblante, redoutant la mort de Daniel, il pouvait dire, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer des griffes des lions ?» Oh, j'aime la réponse de Daniel. Oh, vive le roi. Voilà quelqu'un qui n'a pas une voix aussi tremblante que celle du roi. C'est-à-dire que lui, il est dans le danger. Et c'est lui qui parle avec, j'imagine, sa gestuelle dans la fosse au lion, avec la rhétorique, la mimique, la phraséologie, avec le langage qui va avec. Oh, vive le roi. Tu sais, roi, moi, Daniel, que tu vois, je n'ai eu aucun problème. Parce que Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions, et on l'a vu tout à l'heure en Hébreux chapitre 11. Parce que je n'ai commis aucune faute vis-à-vis de toi, et encore moins aucune faute vis-à-vis de Dieu.
Mais ce que j'aime dans le passage que nous avons lu, c'est qu'on fait sortir Daniel de la fosse au lion. Je vais annoncer à quelqu'un que la fosse où on t'a jeté, là où on t'a piégé pour te jeter, là où on t'a piégé pour te confiner, n'est pas ta place. Je t'annonce ce soir que tu sortiras vivant de là-bas. Oh, tu n'es pas dans le amen qui va avec le rythme de ce que je suis en train de dire. Quand les gens vont dans la fosse au lion, ce n'est pas pour ressortir comme des poètes. C'est pour ressortir, ou du moins c'est pour mourir. Et de quel type de mort? Broyé, broyé jusqu'aux os. Donc on vous tue et on ne permet pas qu'il y ait des obsèques dignes de vous. Donc en principe, quand on va dans la fosse au lion, ce n'est pas pour ressortir poète comme David, Daniel. Mais Daniel, lui, il est entré dans la fosse au lion. Il est ressorti comme un poète. Sans être inquiété. Mieux. On le fait sortir, on regarde sur lui. Aucune égratignure. Come on. Ça veut dire simplement qu'il n'y a même pas eu de litige. Il n'y a pas eu d'opposition. Il n'a pas eu à se battre avec les lions. Non, 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 non. Les lions étaient là. Les lions l'ont regardé. Daniel est entré dans la fosse au lion comme quelqu'un qui naturellement va aux eaux et qui ressort intact. Si Daniel s'était battu, si Daniel avait lutté, il y aurait eu peut-être des égratignures. Mais aucune lutte n'a été possible. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son ange au devant de Daniel pour fermer la gueule des lions. J'aime quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les préserver du malheur. Frères et sœurs, des gens vont dans la fosse au lion. C'est pour mourir. Daniel, il est entré dans la fosse au lion. Il n'est pas mort. Plus tard, ceux qui l'ont fait rentrer là-bas sont repartis occuper sa place. Je suis en train de te dire qu'ils tomberont dans la fosse qu'eux-mêmes ils ont creusée contre toi. Ce n'est pas le amen des vainqueurs, ce n'est pas le amen des... Oh, 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 oh. Vous savez, j'ai failli perdre l'habitude pour dire aux étudiants, la partager, le direct partager. Alléluia. Non, il faut faire le partage des vainqueurs. Alléluia. Ceux qui ont projeté, qui ont fait entrer Daniel dans la fosse au lion, sont allés occuper sa place. Et Daniel est monté à la primature. Il y a des situations de malheur, comme le poteau de la croix, qui à l'origine sont faites pour humilier. Mais quand ça touche à un vainqueur, le poteau de la croix est reconverti en plateforme de témoignage et de gloire. Oh, tu n'as pas suivi. Je suis en train de te dire que ce qu'on a mis sur toi pour t'humilier, ce qu'on a lancé contre toi pour te rabaisser, ce qu'on a mis sur ton chemin pour faire de toi la risée des autres est sur le point d'être transformé en plateforme. Amen. En plateforme de rayonnement et de gloire. Oh, tu n'es pas avec moi. Je vois quelqu'un entrer dans la prison comme Joseph, mais ressorti comme premier ministre. Je vois quelqu'un entrer dans la fosse au lion comme Daniel et ressorti comme premier ministre. Il y a des endroits qui tuent les gens. Mais quand tu es comme Daniel, tu entres à ces endroits qui sont censés tuer les gens. Au lieu que ces endroits provoquent la mort dans ta vie, ces endroits provoquent la promotion, provoquent la distinction, amen, provoquent le changement de niveau. Oh, tu n'es pas en train d'écouter ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que le malheur qui a été lancé sur ta vie est la plateforme de ton rayonnement à partir de ce soir. Amen. Il était encore malheur jusqu'à hier, mais je t'annonce ce soir que ce qui a été déposé contre toi comme stérilité, comme blocage, comme humiliation, comme rabaissement est sur le point de concourir à ton élévation. Selon que Romains 8 verset 28 déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Daniel est entré dans la fosse au lion. Mais il est ressorti vainqueur. Il est entré dans la fosse au lion. Il est ressorti avec le bonus, avec la promotion divine. Je ne sais pas de quelle manière est-ce que tu es éprouvé ou bien tu es humilié.
Mais si ça vient des hommes, c'est un très petit problème. Et si ça vient du diable, c'est un très, 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 très petit problème. Frères et sœurs, Daniel est entré dans la force au lion, plus que vainqueur. Quand vous prenez David parallèlement, voilà un gamin dont l'histoire doit pouvoir nous parler. Je veux dire à quelqu'un, pour être vainqueur, il y a un ensemble de choses que tu dois avoir. Christ nous a rendus vainqueurs, mais beaucoup refusent de marcher dans leur victoire. Un jour, un homme arrive après l'erreur de Saül. Dieu mandate Samuel, va chez Esaïe, choisis-moi un de ses fils, parce que Saül n'est plus dans ma vision, Saül n'est plus dans mon plan. Samuel arrive, on lui présente tous les fils de Jessé. On a dû voir les Shama, les Abinadab et tous les autres qui étaient là, qui avaient, d'autres même avaient déjà travaillé au palais royal. La stature de certains, la corpulence de d'autres, le style vestimentaire, l'élégance de certains a fait dire à Samuel, oh voilà celui-là. Samuel utilisait, il voulait soulever l'huile. Chaque fois qu'un apparaissait, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Au fur et à mesure qu'il se succédait, Dieu finalement a dit à Samuel, écoute, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas lui. Et tous ceux qui étaient en lice, tous ceux qui étaient dans la compétition, sont arrivés à échouer. Je veux dire à quelqu'un, toutes les personnes qui sont en compétition avec toi, elles doivent soit prendre forfait dès cet instant, ou alors te déclarer d'office vainqueur. Tu n'es pas en train de suivre ce que je suis en train de te dire. Ils ont été tous disqualifiés. Et puis Samuel va dire au père de David, à Jessé, il dit, mais il n'y a plus personne. Oh, je peux voir le visage du vieux. Il a dû se dire, voilà une opportunité que j'avais d'avoir un fils roi. Mais tous ceux qui sont éligibles à la royauté, ont été disqualifiés. Et alors, il tourne, il regarde, il dit, bon, il reste un, mais Samuel, si parmi ceux-là, tu n'as pas eu, c'est que tu n'en as pas ici. Il dit, il y a un, mais il ne peut pas, c'est pas lui. Moi-même, je te dis en même temps, Dieu ne l'a pas choisi. Il a mis un point. Avant le point, il y avait etc. Il a mis les trois points. Et puis il disait à Samuel, il faut partir. Il y a un, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que David n'était même pas sur le ring du combat. Il n'était pas, il ne faisait pas partie des gens qu'on pouvait imaginer à la tête du pays. On a pensé à tout le monde sauf à David. Et je dis souvent, si David, plus jeune, avec ce visage beau et innocent, petit rouquin, était celui qui était exposé à lion et à l'ours pour surveiller les brebis, je ne pense pas qu'il soit le fils préféré ou chéri de la maison. J'imagine même que peut-être la femme qui était à la maison n'était pas sa mère. Parce qu'aucune femme ne laisserait son dernier fils être exposé à la méchanceté des animaux. Ou du moins, si sa mère avait été là, certainement une petite voix sortirait pour intercéder, pour dire, mon petit David est là. Cet enfant, je l'imagine, il devait être frustré. Ou du moins, quelqu'un qui n'a pas confiance. Quelqu'un de pas très considéré. Quelqu'un de pas très honoré. Vous savez, il y a des enfants, et je déconseille ça aux parents. Il y a des enfants, quand vous arrivez, on dit, oh, lui là, ça c'est ma préférée, c'est la première. Et puis l'autre qui est là, qui s'arrange toujours à être avant-dernier là, on a du mal à le présenter en public. David devait occuper ce rang-là dans la famille. Tout le monde était bien. Et puis quelque chose va se passer. David arriva. Oh, je vais utiliser le passé simple.
et David arriva. Et ta bénédiction tomba. Vas-y, conjugue. Conjugue avec marié. Conjugue avec enfanté. Conjugue avec travailler. Conjugue avec élévation. Conjugue avec voyager. Vas-y, conjugue. Conjugue ce qui te concerne. Et quand David arrive, ce jour-là, le protocole divin est en marche. Les anges est en train d'escorter le futur roi qui arrivait. Les hommes ne voyaient pas de garde du corps. On ne voyait aucune armée auprès de lui. Mais Dieu dit, voilà celui sur qui mon choix est porté. David. Et quand il arrive, on le regarde et Dieu dit, c'est lui, donne-lui l'onction. Oh oui, tu as raison d'applaudir comme tu es en train de le faire. Dieu dit, c'est lui, donne-lui l'onction. Oh, écoute-moi s'il te plaît. Les hommes peuvent ne pas être d'accord. Les hommes peuvent être contre. Mais si tu es pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de l'Éternel? Personne. J'ai compris alors que l'huile de Samuel connaissait l'aéroport de la tête de David. Ce qui est pour toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Personne ne pourra te l'arracher. Ce que Dieu a déposé dans ta main. Oh, dis-moi amen, je parle de toi, de ta maison, de ta famille. Ce que Dieu a déposé dans ta main. Aucun homme, aucune méchanceté, aucune agression ne pourra s'opposer à cela. Et quand David arrive, je peux voir ses frères. Ils ont envie de partir. Bon, vous savez, il y a des écrits. Je vais vous expliquer les marques d'aigreur. Les gens qui sont toujours insensibles au bonheur des autres. On dit la femme a accouché, elle dit, oui, c'est bien. En tout cas, gloire à Dieu. Excusez-moi, mais il n'y a pas de neutralité en matière de sensibilité. Soit tu es content, soit tu es aigri. On dit ta soeur, elle vise à, c'est bien, alléluia. On va rendre gloire à Dieu. Ah, j'ai qu'à dire quoi? Il y a l'aigreur qui sent dans le coin. Je peux voir les frères de David, ils voulaient partir. Samuel dit, never. Personne, jamais. Non. Personne ne bouge. On va attendre l'enfant ici. Vieux, il dit, vous ne bougez pas. Et j'aime la Bible. Samuel oignit David au milieu de ses frères. Oh, je prie que personne parmi tes adversaires ne meure. Yes. Je prie qu'aucun de ceux qui t'ont méprisé ne meure. Yes. Je prie que tous ceux qui t'ont rabaissé, traité de manière vulgaire, que personne ne meure. Yes. Ma Bible me dit ce jour-là, Samuel oignit David au milieu de ses frères. Il y a des gens qui vont mettre des casques, des écouteurs, pour ne pas entendre la sono de ton mariage. Mais le son va aller les trouver. Amen. Dans le sang. Non, tu n'as pas bien compris. Je répète. Dieu va te distinguer au milieu de ceux qui ne t'ont pas respecté. Yes. Au milieu de ceux qui t'ont traité avec mépris. Yes. Oh, j'aime quand 1 Samuel 2, le verset 8 dit, de la poussière, il fait sortir le pauvre pour le faire asseoir à la table des rois. Il y a des gens qui vont vouloir se fermer les yeux ce jour-là pour ne pas voir. Mais même, Dieu va leur imposer de voir. Ils seront des spectateurs obligés, des spectateurs obligés. Tape ton voisin, dis-lui spectateur obligé. Ils seront les spectateurs obligés de ton élévation. Je les vois zapper la chaîne, la première chaîne nationale, pour ne pas voir ta distinction. Quand ils arrivent à la deuxième chaîne, tu es là-bas. Quand ils quittent la chaîne nationale et qu'ils vont sur la chaîne sénégalaise, tu es là-bas.
Quand il lance la chaîne sénégalaise, il va sur le canal, là-bas encore. Tu es là-bas. Oh, 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 oh. Reçois. Amen. Dieu va t'élever au milieu de tes adversaires. Samuel dit, personne ne bouge. Vous allez assister. Oh, ça fait comme oignon dans yeux. Ça va brûler. Oh non, tu n'es pas en train de me suivre. Ça va brûler. Ils vont regarder. Je vois des gens avec le sourire jaune. Ils rient malgré eux-mêmes. Mais s'ils ne rient pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rire. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. David a été méprisé. Et Dieu lui a donné l'onction. Quand Dieu lui a donné l'onction, David jouait de la harpe. Et puis David va aller servir auprès de Saül. Voilà quelqu'un pour qui la destinée du pays était déjà dirigée par son œuvre d'art, par sa musique. Parce que Saül était agité par un esprit mauvais. Ça veut dire que si David ne jouait pas de la harpe, les décisions du palais royal pouvaient être difficiles. Il avait commencé à gérer le royaume en sourdine. Malgré ça, Saül fatiguait le petit. Il fatiguait l'enfant. Et puis un jour, on dit, il y a un certain Goliath. Je suis en train d'arriver vers mon thème. Goliath s'attaque au peuple d'Israël. Il les menace pendant 40 jours. Il va, il revient. Le peuple recule. Il les insulte. Il les méprise. Il les traite méchamment. Alors que David, il partait juste apporter la nourriture à ses frères. Ses frères lui ont dit, David, tu viens faire quoi ici? On ne veut pas te voir sur le champ du combat. Ils ne peuvent pas faire. Mais l'homme qui peut faire aussi là, ils ne veulent pas le voir. Et puis, appelle la candidature. Oh, dis avec moi, appelle la candidature. Appelle la candidature. Dis appel d'offre. Le roi dit, celui qui tuera le Philistin, Goliath, je lui donne ma fille. Et les hommes, les vaillants d'Israël, tous les peureux, chacun fuyait. Chacun avait peur. Et David, le téméraire, l'homme qui a été forgé par la dureté de sa famille, qui a appris à se battre avec le lion et l'ours, David, habitué à la sauvagerie, il n'avait pas de déodorant présentable quand Samuel partait le oindre. Il n'avait pas le style vestimentaire d'un futur roi. Il était villageois, archaïque. Il était gaou pour parler comme les Ivoiriens. Il était inexpérimenté. Quand il a entendu cela, quelque chose a bougé en lui. Je veux parler comme les Belges, chaud boulette. Il a bougé et dit, Saül, je peux régler l'affaire de ce Philistin. On dit, David, on n'a pas dit mouton. Il dit, si je peux. Saül dit, mais donne-moi ton CV. Il regarde le curriculum vitae de Samuel, de David. Aucune formation militaire, il n'est même pas allé à l'école. De 2000 à 2001, berger. De 2001 à 2017, berger. De 2017 à 2022, berger. Saül dit, ah petit. Il n'avait pas fait l'IMPT d'Israël. Il n'avait pas de numéro matricule dans l'armée d'Israël. Mais il allait dire à Saül, je vais y aller. Je frapperai ce Philistin. Saül dit, tu es sérieux? Il dit, oui. Il dit, d'accord. Porte déjà mes habits de militaire, on va voir. Oh! Quand David porte déjà ses loups, il dit, je ne peux pas marcher avec ça. Laisse-moi comme je suis. Laisse Dieu m'utiliser dans mon naturel. Laisse Dieu. Je n'attendrai pas que ma barbe pousse à un kilomètre. Laisse Dieu m'utiliser dans mon naturel. Je n'attendrai pas de clair-cire. Laisse Dieu utiliser mon naturel. Je n'attendrai pas de grossir. Laisse Dieu utiliser mon naturel. Ça, il dit, en bon. Il dit, oui.
Il dit, mais comment est-ce que tu peux faire cela? Il dit, t'inquiète, laisse-moi seulement gérer. La première pierre que David a eu à prendre, c'était sa détermination. Il n'a pas regardé ce que ses parents lui ont fait. Il n'a pas regardé le mépris dont il était l'objet. Il n'a pas regardé le manque de considération, le manque de respect de sa maison, de sa famille. Il n'a pas regardé tout ce qu'il a vécu. Il était déterminé. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'être déterminé si tu veux être plus que vainqueur. Tu as besoin de croire en toi-même. Tu as besoin d'oublier un peu le passé, méprisant les hommes. Tu as besoin d'oublier un peu l'humiliation d'hier. Tu as besoin d'oublier un peu. Oui, tu as besoin de cela. Je n'ai pas vu David pleurnicher au palais pour dire oui. Moi, David, je n'ai pas connu ma maman. Il y a un oncle là. Il devait m'aider, il m'a pas aidé. Et puis mes grands frères là, ils étaient méchants. David n'a pas fait cela. Il était déterminé, il dit laisse-moi. Laisse-moi attaquer Goliath. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as une rage de vaincre? Est-ce que tu as envie d'aller de l'avant? Est-ce que tu as envie de passer à un autre palier? Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie de voir ta vie passer à un autre level? Oh oui, tu as besoin de faire ce que tu es en train de faire. Tu as besoin d'applaudir parce que je vois la révolte dans ton cœur. Les personnes déterminées ne sont pas rancunières. Les personnes déterminées ont juste leur détermination dans le cœur. Quand on dorme à gauche, quand on dorme à droite, quand on les insulte, un peu comme Bartimée, quand on leur crie là-dessus, elles, ce n'est pas leur problème. Elles ont besoin, elles ont envie de réussir. Tu dois réussir. Non, je veux créer en toi la détermination. Tu dois réussir. Je ne prêche pas un évangile matérialiste, mais toi aussi, tu dois avoir ta voiture. Toi aussi, tu dois avoir ta promotion. Toi aussi, tu dois pouvoir avancer dans la cité. Là où tu as vécu quand tu étais toute petite, tu dois pouvoir repartir là-bas et donner 500, 1000 francs, 1000 francs aux enfants du quartier aussi. Toi aussi, tu dois pouvoir le faire. David ne s'est pas arrêté aux frustrations. Les gens qui sont déterminés ne regardent pas la méchanceté des autres. Ils regardent ce qu'il y a dans leur cœur. Leur cœur brûle. Leur cœur est enragé. Leur cœur a envie d'obtenir quelque chose. David va. Il s'en va. Quand il arrive, souvenez-vous, David était inexpérimenté. Mais ça n'a pas bloquer sa détermination. Beaucoup se laissent bloquer par leur handicap. Beaucoup se laissent bloquer par leurs soucis. Beaucoup se laissent bloquer par leurs échecs, par leurs scandales, par ce qu'ils ont connu. Vous ne pouvez pas être bloqué par ce que vous avez vécu. Les vainqueurs, ce sont les gens du présent, pas les gens du passé. Parce qu'au passé, tu as pu être vaincu. Et même si tu as été vainqueur au passé et que tu es vaincu aujourd'hui, c'est zéro. Donc le vainqueur, c'est l'homme du présent qui apprend à attaquer tous les combats, qui s'attaque, qui avance et qui se dit, rien n'est impossible. Quand Saül lui demande, qu'est-ce que tu comptes faire? David dit, je n'ai pas de CV dans le domaine. Oh, ceux qui cherchent du boulot, apprenez à ne pas dire, je ne connais pas. Dit toujours je connais. Vous rencontrez au Chilo passé, je l'ai prêché ici. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vous ai dit souvent, sortez de vos champs ordinaires où vous n'écoutez que les mêmes choses, les mêmes chansons, les mêmes habitudes, vous êtes dans les mêmes ragots. Allez à des endroits où vous pouvez voir mieux. Là-bas, quelqu'un peut vous proposer mieux. Et s'il arrive que quelqu'un te dise, oh, ma soeur, je cherche une femme. Une femme bien comme toi. Généralement, quand un homme te dit ça, ça veut dire que toi-même, il est en train de te lancer les points. Bon, revenons quand même à notre sujet. Mais toi, je te fais confiance. Est-ce que tu n'as pas de petite soeur? Même si tu n'as pas de petite soeur, dis-lui, attends, va trouver une petite soeur de l'église.
Quelqu'un te rencontre, il dit, mon frère, je veux faire un business. Je veux pouvoir faire du jus de mangue. En Côte d'Ivoire, vous produisez de la mangue. Je veux faire un business. Est-ce que c'est ton domaine? Même si tu n'es pas chimiste de formation, même si tu n'es pas diététicien, tu n'es pas nutritionniste, et que tu es quelqu'un qui est loin de ce domaine, dis-lui, viens demain. Demain, je peux te parler de ce domaine. Moi, tu me trouves comme ça, je te dis, je maîtrise. Le matin à 6 heures, je te récite tout ce qu'il y a dessus. Parce que l'heure à laquelle je te laisse, et puis l'heure à laquelle on se rencontre, c'est mon temps d'étude. Je ne blague pas avec la réussite. Il faut refuser d'échouer. À l'heure actuelle, je l'ai dit un jour à Béjessel, je dis, si quelqu'un n'a pas une information, il est paresseux. La connaissance est devenue vulgaire. Allez sur YouTube ou sur Google, tapez JEKA, D-J-E-K-A, JEKA. Vous verrez les propriétés du JEKA là-bas. Oh, attendez. Ça, c'est un soir à 1h du matin. Pendant que j'étais en train de remplir mon bagage de connaissances, j'ai découvert même que JEKA est sur Google. Ce que tu payes à Second Prayer, il paraît que ça soigne. Amen, amen. J'ai récemment découvert que même Aro Magnerin. Acclame Jésus fort. Frères et sœurs, quand tu écoutes un professeur comme ça, papa n'a 15-22, tu ne peux pas ne pas vouloir réussir. Chez nous, l'échec est interdit. C'est interdit de jouer à 15-22. Ah. Non, je veux faire un business de l'anacate. Oh, ça je maîtrise. Mais comme je suis un peu pressé, demain, si tu veux, on se voit à 10h. Tu es pressé, mais pourquoi? Pour aller étudier le sujet. Amen, amen. Amen. David était déterminé. La deuxième pierre de David. Saül dit, mais tu ne sais même pas comment on utilise une épée. Et dit, vieux, laisse ça. Lion, j'ai déjà tué. C'est vrai que dans mon CV, il n'y a pas service militaire. Mais dans bergerie, il y a service militaire pour les brebis. Quand j'étais là-bas que je suivais les brebis, quand le lion venait, je le tuais. My God. Quand l'ours venait, je la décimais. Il a présenté son CV à Saül. La deuxième pierre, pour être plus que vainqueur, soyez reconnaissant. Yes. Apprenez à reconnaître ce que Dieu a déjà fait avec vous au passé. Tout n'est pas que négatif. Le psaume dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, c'est ça. 103, pardon, il ne faut pas que je mente. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a des personnes que Dieu a guéries si un jour. Aujourd'hui, ils sont malades, ils oublient. Que Dieu peut les guérir encore. Il y a des femmes ici qui sont seules, mais qui oublient qu'elles ont connu des gens qui étaient prêts à venir carrer derrière le portail pour les attendre. Rappelle-toi de ça. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'elles n'ont pas l'argent, mais qui oublient qu'un jour, elles ont compté des millions dans la main. Rappelle-toi des victoires d'hier. Il y a des femmes même qui ont un enfant qui a 15 ans, mais comme ça ne vient plus, elles se sentent stériles. La deuxième pierre de David, c'est de se rappeler de ses victoires d'hier. Quelles sont les victoires d'hier? Si tu oublies la victoire d'hier, tu ne remporteras pas celle d'aujourd'hui. Voilà un peuple devant qui Dieu a fait des prouesses, les 10 plaies de l'Égypte. Mais quand il arrive devant la mer Rouge, il se permet de douter encore. Je rencontre beaucoup de personnes qui arrivent au bureau, Daddy, toute ma vie est bloquée. Et puis je les écoute. J'ai demandé, tu es en bonne santé? Oui, là ça va. Ok.
Tu as un enfant? Oui, j'ai un enfant. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mes finances sont bloquées. Je n'arrive pas à payer la maison. Tout ça, c'est le même problème. Mais, vous voyez, non? Décrit de différentes manières. Puis, je ne travaille pas. Ok, résumé, un problème. Ensuite, il n'y a personne. Ça, c'est le point fort des femmes. Il n'y a personne. Elle t'a dit personne. Personne. Je dis ok. Ensuite, qu'est-ce qui a bloqué encore? Non, ça va, ça va. Non, 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 cherche. Non, avec ça, ça peut aller. Ok. Tu as deux sujets de prière. Deux. Respectez les victoires de Dieu. Tant que vous n'allez pas reconnaître que Dieu a fait de bonnes choses dans votre vie et que vous présentez Dieu comme celui qui vous fait vivre l'enfer depuis toujours, vous ne verrez pas les choses changer. La force de David, il a reconnu les victoires d'hier. Il a reconnu ce que Dieu a fait dans sa vie hier. Il a reconnu ce que Dieu a fait par lui hier. Est-ce que tu es capable de te remémorer les victoires d'hier et te dire, si ça a pu marcher il y a de cela quelques temps, ça peut marcher encore aujourd'hui. Si ça a pu marcher à cette époque, c'est le même Dieu, je suis la même personne, ça marchera encore à cette époque. La deuxième pierre. Reconnaissez. Reconnaissez ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. La troisième pierre de David. Oh my God, qu'est-ce que j'aime David. Il va combattre quelqu'un qui a traumatisé toute une armée. Là où lui-même, ses propres grands frères, même papa, ont eu peur du monsieur. Lui, David, il arrive. Il ne le prend pas au sérieux. Comment tu peux être capable d'aller défier quelqu'un qui a défié toute une armée, tout un peuple? Tout ton peuple. David a su se prendre au sérieux. Il a compris que dans les choses de la victoire, la majorité n'est pas critère de vérité. Il a compris que dans les choses de la victoire, la peur est un mauvais allié. Il a compris que dans les choses de la victoire, il ne faut pas s'asseoir sur le sondage des autres pour se disqualifier. Toi, tu écoutes les gens. Tes parents disent, oh, non, tu es trop âgé. Non, sur le marché du travail, il n'y a plus de travail. Non, ça, ça ne va plus chez toi. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Parfois, un excès de conseiller tue. Quand vous prenez Nombre chapitre 23, ou du moins Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14, Moïse envoie des personnes pour aller explorer la terre promise. Il envoie 12 espions. Les 12 vont et reviennent. Il y a 10 qui disent, pouah, Moïse est mauvais. Il est mauvais, mais Moses. Le pays qu'on a vu là, si on s'amuse, ils vont faire de nous pâte d'arachide. C'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu les descendants d'Anak. Nous-mêmes, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et eux-mêmes, quand ils nous voyaient là, quand tu regardes dans leurs yeux, tu sais qu'ils nous voient sauter en criquet. David, ou du moins Moïse. Ils se sont mis à parler. Ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis à dire, on ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas possible. Si on rate là-bas, les gars nous tuent. Moïse nous envoie là-bas pour nous faire du mal. Moïse est méchant. Ils ont parlé, parlé. Les gens disent sur toi, tu ne réussiras pas. Tu n'avanceras pas. Oh, je me rappelle. Quand j'étais encore sur le banc, je passais le BTS. Pendant que j'étais en fac de droit, je passais le BTS. Et comme je laissais les cours de droit, de grande école pour aller suivre les cours de droit, bon, c'était relatif. Hein. Je vais un côté, je vais un côté. Les gens dans l'école ne me voyaient pas beaucoup. Donc, quelqu'un a dit, petit, il n'avait pas réussi. C'est pas possible. Et j'avais un professeur qui était très proche de moi. Le jour des résultats, il dit, toute l'école l'appelle. Du bac.
primaire, secondaire jusqu'au supérieur pour lui demander. Il y avait un petit là qui portait veste bluffeur là. C'est comment? Il dit, je vous ai dit, l'enfant est bon. Tout l'établissement a prophétisé que j'allais jouer, sauf moi. Sois toi-même ton prophète. Ne laisse pas les gens parler sur ta vie. Ne laisse pas les gens dire ce qui n'en sera de toi. Ce qu'ils disent, c'est leur problème. Je répète, c'est leur problème. D'ailleurs, je veux dire à quelqu'un, te concernant, les gens ont trop vite parlé. Ceux qui t'ont regardé, qui ont dit, tu ne vas pas travailler, ils ont vite parlé haut. Ceux qui t'ont regardé, qui ont dit, à un âge, tu ne peux plus enfanter, ils ont vite parlé. Ceux qui t'ont regardé, qui ont dit que tu ne peux pas voyager, dis à ton voisin, ils ont parlé vite. Dis-lui, ils ont parlé, mais ça ne les concerne que. Sur 12 espions, 10 sont revenus dire, Moïse veut nous tuer. Et c'est Josué et Caleb qui disent, allons-y, oh j'aime Caleb. Le verset 24, Caleb dit, la Bible dit, Caleb eut un autre esprit. Les vainqueurs sont des gens qui ont un autre esprit. Il dit, allons-y, nous y serons vainqueurs. Yes, we can. Il dit, allons-y. Vous savez finalement qui a eu raison? C'est la minorité des vainqueurs. Toute ta famille peut dire que ça ne marchera pas. Toute ta nation peut dire que ça ne marchera pas. Tout ton pays peut dire ce qu'il veut. Mais sois ton propre prophète. J'aime Miché. Tout le monde va dans un sens, lui va à gauche. Et c'est lui qui a raison. Sois ton propre prophète. Ne t'aligne pas sur les conclusions nocives, négatives, les conclusions pessimistes de ceux qui sont autour de toi. Décide de toi-même. Crois en toi. Dans ton village, on ne réussit pas. Ça concerne les gens de ton village. Mais toi, tu es du village, mais tu n'es pas. Ou du moins, tu es dans le village, mais tu n'es pas du village. Parce que nous sommes sur le même sol. Nous n'avons pas le même sort. Je ne vous ai pas parlé de Luc chapitre 1. Quand Zacharie a mis au monde son fils, on dit, comment l'enfant s'appelle? Jean est son nom. Il dit, non, pourquoi Jean? Il n'y a pas Jean dans notre famille. Elisa, comment il s'appelle? Elle dit, c'est Jean. Mais il n'y a pas Jean. Le fils de Zacharie peut pas être autre chose que Zacharie. On dit, oui, ça c'est ce que vous pensez. Mais nous, on va introduire Jean dans notre lignée. Parce que Zacharie est stérile. On ne veut pas donner un nom à Zacharie pour que lui aussi soit stérile. On dit, mais il n'y a pas de Jean dans votre famille. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais lui, on va l'appeler Jean. Je veux dire à quelqu'un, il y a des noms, il y a des titres qui n'existent pas dans ta famille, qui n'existent pas dans votre région. Il y a des appellations qui jusque-là n'ont jamais existé dans votre famille. Écoute-moi bien. C'est par toi que ça commencera. Amen. Il y a des titres qui commenceront par toi. Ton amen, il est bizarre. C'est à partir de toi. Dis avec moi, c'est à partir de moi. Comme monsieur Tan, directeur de Tan, madame Tan, épouse de Tan, vous voyez ce type d'appellation qui n'existait pas dans ta famille. Je suis en train de déclarer que tu es le premier des vainqueurs de ta génération. Je suis en train de te déclarer que tu es le premier des gagnants de toute l'histoire de ta lignée et de tes parents. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu arriveras là-bas. Là où ta maman n'est pas arrivée, toi tu arriveras. Même si la vieille ne s'est pas mariée, toi tu te marieras. Le célibat n'est pas forcément transmissible par le sang. Je suis en train de te dire, là où papa n'est pas arrivé, toi tu arriveras là-bas. Ma Bible me dit que Josué a regardé. Josué a regardé la terre promise. Son papa Moïse n'est pas entré. Donc Josué a dit, si le vieux père même n'est pas entré, moi, comment je vais entrer là-bas? Et il était là, il s'entraînait comme d'habitude. Dieu l'a appelé, Dieu dit, Josué, viens ici, petit, fils de Nun. Moïse, ton père spirituel, est mort. Maintenant, prends le peuple. Entre dans la terre promise. Attendez. Or, à Moïse, Dieu a dit, regarde, tu ne rentres pas. Et il appelle Josué, petit, toi, tu rentres. Je veux dire à quelqu'un, ton papa a regardé quelque chose. Ta maman a regardé quelque chose de loin.
Il a voulu avoir, il n'a pas eu. Écoute, lui n'a pas eu, mais toi, tu entreras là où ton papa n'est pas arrivé. Yes. Tu arriveras là où ta maman n'est pas arrivée. Amen. Ton amen, c'est pas le amen des vainqueurs. Je ne vois pas de vainqueurs. Dis avec moi. Dis avec moi. Ce n'est pas ma faute si mon père a été limité. Ce n'est pas ma faute. Mais moi, je ne connaîtrai pas les limitations de ma famille. Ce n'est pas ma faute si ma mère a été limitée. Ce n'est pas ma faute. Mais moi, je ne connaîtrai pas les limitations de ma famille. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Si mon père n'a pas réussi. Yes. Ce n'est pas ma faute si le vieux n'a pas vu bengue. Ce n'est pas ma faute. Mais moi, je vais aller là-bas, je vais revenir, je vais aller, je vais revenir, je vais aller, je vais revenir. Je vais aller, je vais revenir. Oh! Dis à quelqu'un, c'est pas ma faute si la vieille n'est pas montée dans l'avion. Ce n'est pas ma faute. Amoué n'est pas monté dans l'avion. Yes. Mais son fils lui crée, il monte dedans. Je suis en train de te dire que toi aussi, là où ton père n'est pas arrivé, toi tu arriveras là-bas, yes, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde disait Goliath va nous tuer. David dit c'est pas grave, ça c'est votre problème. Moi Goliath, je le tuerai. Il faut être capable de rêver. Un vainqueur rêve. Un vainqueur croit. Un vainqueur voit loin. Un vainqueur voit devant. L'Afrique a besoin de rêveurs. Yes. Les chrétiens catholiques ont besoin de rêveurs. Yes. Il y a des évangélisations où on gagne le monde, où on marque l'humanité, qu'on doit être capable de rêver désormais. On doit être capable de rêver une église qui rentre partout, qui sort partout. On est capable de rêver des chrétiens grands. Malheureusement, nous héritons des échecs de ceux qu'on a vus, de nos parents, de nos frères et sœurs. Initie, avance, prends la décision. Ne t'assois pas pour dire c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Toi, tu as ton mot à dire. Ce n'est pas comme ça. Tu peux changer les choses. D'ailleurs, si Dieu t'a suscité, c'est que tu as une réponse à une question dans son cœur. Tu as une réponse à un besoin dans son cœur. Tu as ton mot à dire dans le concert des nations. Tu as ton mot à dire dans l'histoire de ta famille. J'aime bien quand on voyage et que chaque fois qu'on arrive dans des pays anglophones, where do you come from, les policiers là, quand tu dis Côte d'Ivoire, what mean Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, et puis parfois ils te regardent et disent, oh Didier, Drouba. Yes. Dieu suscitera des gens comme toi. Amen. Le nom de ta famille sera connu par toi. Amen. Quelqu'un va te demander, c'est toi? Tu es parenté à telle personne? Et ils vont demander à ton petit frère, tu le connais? Le grand joueur là, la grande femme d'affaires là, dont on parle, est-ce que tu la connais? Il va dire, oui, on a le même nom de famille, c'est ma mère, tu es sûr? Oh, 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 vous n'êtes pas là. Oh, oh. Des gens seront capables de dire, de la même manière, on dit Jésus de Nazareth. Quand tu diras le nom de ton village, on va dire, oh, c'est toi, tu viens de là-bas? Grâce à ton nom, des laissés-passer seront délivrés à des gens qui t'ont côtoyé. Yes. Grâce à ton nom, ceux qui ont mangé la tieke, le garba, le foutou, la cassa, la bolo avec toi, vont passer les frontières qui étaient compliquées à passer. Oh, tu n'es pas en train de me donner le amen qui va avec. Oh, qu'est-ce que les chrétiens doivent rêver? Arrête de penser, les gens échouent, nous aussi on va échouer. Ça ne marche pas haut. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est à ce niveau qu'on est arrivé. Pense plus grand. Il y a le combat où tes parents et ta famille, ta nation ont échoué. Il y a le défi que depuis, avant même ta conception, les gens n'ont pas pu relever. Ça t'attendait. C'est
toi qui dois relever ces défis. Yes. Les gens attendaient que toi. Je te vois être le David de ta génération. Yes. Je te vois être le David de ta nation. Je te vois être le vainqueur de toute l'histoire de ta famille. Yes. Je te vois ouvrir les portes de la victoire. Yes. À partir de toi, la gloire de Dieu se manifestera. Oh, j'aime quand la Bible dit. Saül en a tué ses mille. La victoire de ceux qui t'ont précédé est zéro par rapport à ce que tu as fait. Yes. Mais David en a tué ses 10 000. Oh, David jouait de la harpe pour Saül. C'était le chantre, le musicien de la maison de Saül. Il a chanté un moment pour Saül. Mais un jour, Dieu dit désormais, toi-même ton nom devient le titre d'une chanson populaire. Il y a un temps pour chanter pour Saül. Il y a un temps aussi pour être soi-même chanté. Tu as servi les autres. Le temps est arrivé que le travail que tu as fait dans l'ombre, les investissements d'hier, les combats que tu as menés auprès du lion et de l'ours commencent à te payer. Je parle à quelqu'un qui a sémé dans les larmes. Psaume 126, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ils vont et reviennent, tout joyeux. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Et je vois que tu as semé dans les larmes, mais je t'annonce que tu vas moissonner. Amen. Dans l'allégresse. Tu vas moissonner dans la joie des enfants de Dieu. Si tu me donnais le amen qui va avec, ce serait arrivé amen. Rapidement. David a vu grand. Tu vaincras ce combat. Dans ta famille, aucune femme ne se marie. Toi, tu tueras le démon du célibat. Dans ta famille, personne ne dépasse le bac. Toi, tu défieras ce démon et tu le vaincras. Dans ta maison, dans ta nation, tout le monde est limité par Goliath. C'est quoi le Goliath de ta famille? C'est quoi le géant de ta nation? C'est quoi le géant qui t'oppresse? Écoute-moi bien. Ce Shiloh est un envoi en mission. Va, fais tomber le Goliath qui oppresse ta nation. Fais tomber le Goliath qui oppresse ta génération. Fais tomber le Goliath qui oppresse ton histoire. Ce Shiloh marque le début de saison de victoire. Je prophétise à quelqu'un qui me dit amen rapidement. Amen. Que tu feras tomber le Goliath de ta famille. Amen. Que le géant du célibat tombera. Donne-moi le amen que je parle. Le géant du travail tombera. Le géant de l'échec tombera. Le géant de l'humiliation tombera. Le géant de la stérilité tombera. Le géant du mépris tombera. Le géant du rabaissement tombera. Je t'annonce une chose. My God. Un instant. Oh. Oh. Écoutez, troisième pierre de David, c'était ça sa vision. Être capable de voir au-delà des échecs des autres. Ce n'est pas parce que toute ta famille a échoué que toi tu dois échouer. Tu n'es pas concerné par l'échec de ta famille. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Ce n'est pas là où tu as échoué hier que tu échoueras toujours. Je vois des personnes sorties de ce témoignage et dont les témoignages vont servir de référence de témoignage à travers le monde. Yes. Parce que à ton âge, on dira qu'une femme a mis 3 enfants au monde. À ton âge, on dira qu'un homme a décroché tel contrat. À ton niveau, on dira que telle personne a eu tel niveau. Oh, vous n'êtes pas en train de me donner les amen qui vont avec. Reçois cela au nom de Jésus. My God. Yes. Quatrième pierre de David. Le troisième niveau dont je parlais tout à l'heure, c'est la capacité déjà à se dire que je serai vainqueur. Quatrième pierre de David. Il a méprisé, minimisé Goliath. Méprise ton problème. Méprise ton problème. Méprise le problème. Tant que le problème est trop dur pour toi, il est trop dur pour ta tête,
il le sera aussi pour tes mains. Tant que le problème est trop difficile, on ne peut pas atteindre le niveau. Oh, ça c'est compliqué. Oh, ça. Tant que c'est à ce niveau, écoute-moi bien, tu ne peux pas le vaincre. Tu vaincras toujours quelque chose que tu estimes plus petit que toi. Quand tu estimes quelque chose de plus grand que toi, tu ne peux pas vaincre cette chose. Tant que tu as peur de ton problème, tu as peur de cette difficulté, tu estimes que c'est la chose trop difficile à avoir, tu estimes que ça là, Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça, mais ça là, tu n'es pas sûr qu'il puisse faire. Tant que la chose est difficile, tu ne peux pas. J'ai l'habitude de citer Henry Ford. Henry Ford dit, que tu penses ou que tu ne penses pas, des deux côtés tu as raison. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es capable de penser? Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, le pays que tu vois, c'est celui-là que je te donnerai. Les premières victoires des vainqueurs sont les victoires intérieures. Un vainqueur, c'est sa mentalité de victoire. C'est sa mentalité d'intérieur. Demain, je parlerai un peu encore. Sur la mentalité, sur le fait que nous sommes plus que vainqueurs. Saül, ou du moins Goliath a dû imaginer un combat. Il va prendre le petit, il va le faucher, il va faire ça. Le petit arrive avec 5 cailloux, un bâton. Il a réduit le problème. Tant que le problème est problème dans ta tête, il sera toujours problème dans ta vie. Le jour où tu le vois en opportunité de témoignage, le jour où tu le vois en plateforme de témoignage de gloire, et que tu te dises, c'est un passage. Quand tu es capable de dompter une situation intérieurement, tu l'as dompté. C'est pourquoi Proverbe dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a des maladies. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Le psyché et le soma. On ne voit pas. On ne perçoit pas au microscope. Ce n'est pas une maladie bactérienne. Ce n'est pas un parasite, ce n'est pas un microbe, ce n'est pas un virus. Mais parfois, l'angoisse nous tue plus. Parfois, le stress nous détruit plus. Parfois, la peur du sorcier nous anéantit plus et ouvre la porte au sorcier. Oh, chrétien, je sais que vous aimez vous faire pitié à vous-même. Vous aimez, oh, je souffre, je suis éprouvé. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Non, si vous voulez être des vainqueurs, commencez à penser autrement. Recomposez votre système de pensée. Revoyez les choses. C'est Goliath devant moi, mais moi j'ai désiré de voir un oiseau. C'est Goliath devant moi. J'ai entendu dire des choses sur le cancer, mais j'ai désiré de voir le cancer comme la malaria, comme le palu. J'ai entendu dire que cette maladie tue. Mais j'ai décidé de l'avoir comme une petite douleur. Je reviens rapidement à mon témoignage de guérison. Quand j'ai prié pour moi et que j'ai été guéri, l'une des batailles les plus lourdes que l'ennemi me menait, c'était de me dire, tu n'es pas encore guéri. Toi, tu es qui? J'ai assisté à la prière du Père tardif, ça ne t'a pas guéri, c'est pour toi là qui vas guérir. Et il y a eu des moments où je suis là, j'ai l'impression que mon oreille est en train de s'enfler encore. Et moi, je disais, oh, ça doit être un petit furoncle quelque part. Je vais me trouver une petite crème pour la mettre et puis avancer. J'ai appris à ne plus respecter le problème. Les chrétiens sont agités, stressés, angoissés. Ils courent, ils arrivent à l'église tremblant, ils repartent tremblant. Ils ont peur de tout, du diable, de leur voisin qui est rosicristien, du fétiche. Ils ont peur de leur patron. Ils ont peur de leur copine qui est païenne, qui a une grosse voiture. Ils ont peur de tout le monde, tout le monde, tout le monde les effraie. Et ils sont autour de ça. Et il y a comme un monde de musique nocive dans leur tête qui leur dit, ouh, tu as des problèmes, c'est difficile, ça n'avancera pas. Tu es en train de vieillir, oh, tu vas mourir, tu vas échouer. Il y a les attaques, le diable t'attaque. Cette nuit, tu seras poursuivi. Et puis, les chrétiens sont dedans. Vous ne pouvez pas vaincre comme ça. Je veux que tu repartes d'ici comme un vainqueur. Yes. Comme un vrai vainqueur. Pas un vainqueur du bout des lèvres. Mais quelqu'un qui a guéri
quand je préparais ce soir, le Seigneur m'a dit, va susciter une génération de vainqueurs. Des gens qui croient en la toute-puissance de Dieu. Oh, qu'est-ce que parfois je constate, même que des gens sont proches de moi. Et je me rends compte qu'ils ont peur du diable. Et il y a beaucoup qui m'ont dit, non, si je peux avoir un coup de fil avec toi, un seul appel. Moi, je te dis, même si je vais dormir chez toi, que tu veux avoir peur du diable, tu auras peur. Vous trouvez parfois des gens qui vous parlent des exploits du diable. Oh, comment Satan est puissant. Comment il les a traumatisés. Vous êtes assis, vous vous demandez si Jésus est vivant encore. Vous avez besoin de vaincre ce combat intérieurement. Dis, je réussirai. Je vais y arriver. Je me marierai. Je travaillerai. Dieu est capable de susciter quelqu'un de bien. Quelle que soit la distance, quel que soit le pays, Dieu est capable de prendre quelqu'un de top. Je ne resterai pas en bas. Il y a de cela des années, j'ai décidé de ne plus penser à rester en bas. Nous, les catholiques, nous croyons que l'épreuve existe. Mais nulle part, il est dit qu'on doit vivre dans une mentalité de personnes accablées, dans une mentalité de personnes stressées. Jésus n'est pas mort pour qu'on vive stressé. Il est mort pour qu'on soit vainqueur. Mais Amen. Mieux, vainqueur, ça veut même dire qu'on s'est battu plus que vainqueur. Amen. Plus que vainqueur. Et 2 Thessaloniciens 3, le verset 3 qu'on a lu, nous dit ça. Nous avons une assurance. Est-ce que tu peux marcher avec assurance? Oh, je comprends. Je comprends que tu as été traumatisé par beaucoup de choses. Mais David a eu ce même passé que toi. Un passé difficile. Un passé douloureux, un passé compliqué, mais il n'est pas resté là. Il a réduit le problème. Réduit le problème. Vois le problème comme une situation banale qui va être réglée. Satan pourra te dire, écoute, ça fait des années, ça est là. Hein. Tu as su que ce qui est là, c'est pour toi aussi. Ça, c'est peut-être pour les autres, mais pas pour toi. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Satan pourra te dire, ce type de truc-là, ça c'est pour une autre dimension. Les gens, vous voyez, comme lui, par exemple, si tu prêches, ou même si tu es saint comme lui, oh, il ment. Parce que le gars qui te parle est un pécheur. Et je l'ai souvent dit, David n'avait pas de numéro matricule dans l'armée d'Israël. Mieux. Quand David a reçu l'huile de Samuel, son exercice de maison, c'est-à-dire que pour s'exercer, pour voir si ça marche bien, là, il allait terminer Goliath. Tu peux vaincre. Ne dis pas je ne suis pas expérimenté. Ne dis pas je n'ai pas beaucoup d'années dans le milieu charismatique. Ne dis pas je ne prie pas beaucoup. Ne dis pas je ne suis pas un saint. Ne dis pas j'ai péché même avant de venir. Le combat dans lequel tu es, tu le vaincras. C'est toi le vainqueur. Si David a tué 10 000, ça veut dire que jusqu'à 9 999 adversaires, c'est toi le vainqueur. Il est temps que tu te lèves. Et que tu te dises, ma vie doit changer. Amen. Je vous en prie, ne partez pas de ce Shiloh. En restant peureux. En surestimant votre problème. En vous disant, non, ça, il faut que d'abord 5 exorcistes à la fois m'imposent les mains. En vous disant, oh, ça là, il faut que j'effectue un voyage. Que j'aille voir un grand homme de Dieu d'abord. Non. Redescendez le problème. Il est gérable. Oh, je répète, il est traitable. Il est plus que traitable. Et je t'annonce que tu vaincras ce combat. Tu vaincras le combat dans lequel tu es. Tu feras tomber le Goliath de ta vie. Amen. 5e Pierre et j'atterris. 5e Pierre et j'atterris. Quand tu as minimisé le problème, quand tu l'as rabaissé, parle contre Goliath. Parole contre parole. Goliath avait compris le principe. Il a maudit David par ses dieux, par les dieux philistins. Mais ma Bible me dit, David aussi a répliqué. Tu viens à moi avec la lance de javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ainsi qu'aussi, tu tomberas aujourd'hui. Je livrerai ta tête, je vais te décapiter. Les oiseaux du ciel mangeront tes yeux. Sois ton prophète. N'attends pas que quelqu'un parle sur toi.
Sois ton prophète. Bénis ta vie. Bénis tes enfants. Réveille-toi le matin, prophétise sur toi. Réveille-toi le matin, regarde-toi dans un miroir. Dans mes séminaires sur le mariage, dans la liste des fournitures, j'ai dit aux femmes, ayez un miroir de 1m50. Bon, si déjà tu fais 1m35, ça veut dire que tu es dans le miroir. Amen, amen. Regarde-toi le matin, parle sur toi. Déclare, ma vie est la meilleure. N'envie pas ton voisin, n'envie pas ta voisine, n'envie pas les enfants d'autrui, n'envie pas le mari de ta copine. Quand elle vient dire mon mari à l'autre travail, si le tien est chômeur, dis-lui le mien, il a son propre compte. Parce qu'il peut dormir et se réveiller à l'heure à laquelle il veut. Yes. Il n'a pas émergé le matin. Il ne porte pas un badge. Il est lui-même le patron de son sommeil. Arrête de te comparer. Parle sur ta vie. Prophétise ta guérison. Les médecins, chaque jour, envoient un nouveau résultat. Madame, votre état se détériore. Prophétise, je suis en bonne santé. Chaque jour, ils envoient madame, là c'est tard, à moins que vous ne fassiez une fille, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Prophétise, je suis féconde, je suis fille de Dieu. Pas au fur et à mesure que les mauvaises langues viennent parler, toi, réponds. Parole contre parole. Relâche la parole sur toi. Dieu savait que les ossements pouvaient revivre et il demande à Ézéchiel, pourquoi? Il préparait la plateforme de la conversation. Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Tu dois prophétiser sur ta vie. C'est la cinquième pierre. Tu dois parler sur ta vie. Tu as le devoir de parler sur ton histoire. J'ai rendu tellement de témoins. Vous-même, vous savez. Les gens de 15-22 savent qu'on ne fait pas beaucoup de choses. On parle sur nos vies. On déclare. Est-ce que vous voyez le nombre d'hommes revenus auprès de leur femme juste cette semaine qui vient de passer? J'aime Élie quand il dit, si je suis un homme de Dieu, if I be a man of God. Oui, si tu es enfant de Dieu, si tu es femme de Dieu, si tu es baptisé ou même si tu as accepté Jésus, parle. Il dit sinon. Il n'a pas dit si, peut-être que. Il dit sinon à ma parole. Il est temps que tu interdises que quelqu'un fatigue ton foyer. Yes. Les pleurs ne règlent pas les problèmes. Ce sont les déclarations prophétiques de ce genre, avec une ténacité, avec une détermination à la David, qui obtiennent des résultats probants, des résultats authentiques. Tenons-nous debout, on va passer au concret de Dieu. Protocole, donnez-moi 5 minutes supplémentaires, s'il vous plaît. On va passer au concret de Dieu. Massacara papa papa. Massacara baba. Sois toi-même ton prophète. Je t'en prie. Écoutez. David ne parlait pas pour s'amuser ou pour essayer. David était convaincu du miracle. Interdis ce que tu ne veux pas. Chasse ce que tu ne veux pas. Chasse ce que tu refuses. Et après cela, on va appeler ce qu'on souhaite. Je crois qu'il faut commander au matin. Je crois qu'il faut parler sur sa vie. Je crois qu'il est temps de bénir vos enfants. Il est temps de bénir vos enfants. Il est temps de prophétiser sur vos vies. Tu ne sais pas d'où l'argent va venir. Prophétise le montant seulement. Il y a des témoignages cette semaine que je n'ai pas osé publier pour éviter de m'exposer. Mais quand vous voyez des virements financiers qui ont été effectués, quand vous voyez des personnes qui ont reçu leur titre de séjour, leur visa cette semaine, vous vous asseyez et vous dites, Dieu est vivant. Vous avez eu le cas de cancer qui a disparu. Il est temps maintenant qu'une armée de vainqueurs se lève. Allez-y, chassez ce que vous ne voulez pas. Jouez. Chassez ce que vous ne voulez pas.
les cinq pierres de David. Yes. Soyez déterminés ce soir. Soyez déterminés. Rabaissez le problème. N'en faites plus un problème. Souvenez-vous de la victoire d'hier dans le domaine. Souvenez-vous de comment Dieu vous a sorti. Dieu vous a secouru. Maintenant, prophétisez sur vos vies. Parlez. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous qui êtes en ligne, priez, priez, priez. Allez-y. Amen, amen. Yes. Écoute, il faut chasser l'endettement. Il faut chasser les blocages d'ordre spirituel. Il faut chasser tout ce que tu n'admets pas dans ta vie. La lourdeur de la prière, le manque de sanctification, ta difficulté à lire la Bible. Chasse ce qui bloque ton voyage, chasse ce qui bloque ton mariage. Allez-y, faites-le, faites-le. Vous qui êtes en ligne, priez s'il vous plaît. Allez-y, priez. Priez s'il vous plaît, je ne vous entends pas prier. Toi, montagne qui te tient devant mon mariage. Ôte-toi de là au nom de Jésus. Là-bas, c'est que tu es délivré. Priez, 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 priez. Maladie de vos corps maintenant. Commandez. Même si la personne n'est pas ici, chassez la maladie de son corps. Le sang victorieux, le sang victorieux, le sang victorieux au nom de Jésus-Christ. Le sang victorieux, le sang victorieux, le sang victorieux au nom de Jésus-Christ. Chassez, esprit de fumité, sort de mon corps au nom de Jésus. Amen, amen. Que Goliath tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Goliath tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Je pense personnellement que la pierre qu'il a fait tomber était la dernière pierre. La pierre de la parole qui a été relâchée. Maintenant, il est temps que tu bénisses ta vie. Je vous en prie. Le miracle ne réside pas dans le cri. Le miracle réside dans la conviction. Si tu cries et que c'est avec conviction, crie plus fort. Mais si tu cries sans conviction, c'est zéro. Maintenant, pose la main sur ta tête, prie sur ta propre vie, déclare, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta santé, prophétise sur tes affaires. Vas-y, prophétise ce que tu voudrais voir. Prophétise sur un malade. Que tous les malades que vous êtes en train de connecter, maintenant,
reçoivent la puissance de Dieu. Que tous les malades là où ils sont guérissent maintenant au nom de Jésus. Maladie, écoute-moi bien, quel que soit ton nom. Va-t'en! Je détruis tout pouvoir de Satan. Toute œuvre des ténèbres est cassée. Au nom de Jésus, esprit de blocage, libère les vies. Pendant que tes mains sont levées, je pense que tu es venu avec des requêtes, des sujets de prière. Pense rapidement à ces sujets de prière. On va passer au concret. Attends-toi à voir la puissance de Dieu vers toi. Maintenant. Maintenant. Que la réponse arrive vers toi. Oh. Et ça descend. Que la réponse arrive vers toi. C'est ça le privilège d'être là déjà le vendredi soir. Ha. Il y a des témoignages déjà qui arrivent en cascade. Mon Dieu est vivant. My God is alive. Korobo Shambarababa. Cette nuit même, des gens vont recevoir des nouvelles qui les réjouissent. Masse korobo shanda. Emborobo shantarababa. Mose kereba shonda. Imaraba shomarabababa. Recevez. Des gens sont en train de vivre une expérience. Il y a comme des anges. Il y a comme des anges auprès de plusieurs. Et Zore Bashababa. Imboro Shandaraba. Matero Dobo Shandarababa. Marabashemara. Il arrive vers toi, Sandrine. Il a entendu ta prière. Même ceux qui sont en ligne sont libérés.
Sous cette bêche, le fibrome est en train de tomber. Ça descend. Ça vient de descendre. Il dit que tu as trop pleuré. Il relève ta tête. Il te guérit. Il guérit. Sous cette bâche. Cette femme a trop pleuré de son foyer. Il revient aujourd'hui même. Elle a dit clairement, j'aime encore mon homme. Il te guérit. Ici, il est en train de guérir ta mère. Arrête de pleurer. Maman ne mourra pas. Elle va vivre. Que la personne soit quelqu'un de moi devant. Sous cette bâche. C'est pas grave, continuons, continuons. On va pas couper. Vas-y, continuons, continuons. Maman ne mourra pas. Jésus est en train de la guérir maintenant. Le ciel est ouvert. Pose la main rapidement sur le ventre. Sous cette bâche. Il m'a dit, au terme de cette 7e année de mariage, Esprit de Dieu. Cette femme a trop pleuré. Il est temps qu'il relève ta tête. Ibru shakara da 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 da. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction des vainqueurs. Une femme est ici. Elle a un combat autour d'un homme qu'on appelle Stéphane. Écoute, Madame Stéphane, Dieu te donne la victoire.
Reçois la victoire dans ce combat. Lève la main, lève la main. Quelle onction. Dis qu'on ne fait que commencer. Oh, en ligne, la puissance de Dieu arrive vers vous. Répète après moi. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, je déclare, je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je remporte la bataille invisible. Je remporte la bataille d'hier. Je suis le vainqueur. 1000 tomberont à ma gauche. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas touché. À partir d'aujourd'hui, j'annule la mentalité de médiocrité. La mentalité préparée à l'échec. J'annule cette mentalité. Et je m'engage. Parce que Jésus est vainqueur. Je navigue sur les ailes de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu as raison d'acclamer Jésus. Tu as raison de pousser des cris de joie. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Pousse des cris de joie.